Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce mercredi 3 août. C'est Jérémy Dalsol pour votre émission La Matinale Admirals, il est 8h30. J'espère que tout le monde va bien. On va se pencher sur le calendrier économique dans un premier temps. Je viendrai vous saluer tout de suite après, bien sûr, sur le chat ici sur YouTube. Alors, des publications, on en a déjà eu un petit peu ce matin, la balance commerciale du côté allemand notamment. On va retrouver d'ici quelques minutes à peine les taux d'inflation du côté CHF, donc du côté suisse. On aura l'indice PMI du secteur des services, le composite également ici, qui va se publier un petit peu au courant de notre fin de séance en fait, hein, côté espagnol, côté italien notamment, donc à 9h45, côté français 9h50, ici également côté allemand 9h55, puis à 10h côté italien, les ventes au détail. Et du côté européen, ce sera également cet indice PMI du secteur des services et composite qui est attendu quand même à 10h aussi, 10h30 pareil, hein, bien sûr cet indice attendu côté britannique avec le GBP/USD et les ventes au détail annuelles mensuelles pour finir la matinée à 11h côté européen. Au cours de l'après-midi, on est un mercredi ici, on aura des publications quand même américaines, 15h45, l'indice PMI justement, secteur des services, l'indice composite attendu donc 15h45, les commandes industrielles également à 16h en pleine séance américaine, l'indice ISM PMI non manufacturier à 16h également, et puis les stocks de pétrole attendus à 16h30, notamment un discours de Harker côté US au même horaire. Et puis tout simplement, sinon c'est du côté brésilien. Bon, ce soir les taux d'intérêt 23h pour ceux qui aiment trader la devise brésilienne. Mais voilà, sinon concrètement notre journée sur le calendrier économique pour aujourd'hui. Donc plein de petites statistiques pour finir notre séance ce matin. On ira voir ce que ça donne sur les marchés concrètement. Le prochain webinaire de ce mois d'août ici, c'est directement séance swing trading attendue à la fin du mois, du coup le 25 à mon retour justement, de 18h à 19h, le dernier jeudi du mois d'août notamment, donc pour préparer d'un point de vue swing trader investisseur le mois de septembre. On ira sur des grosses tendances, des gros graphiques pour voir les gros scénarios qui pourront prendre place dès la rentrée. Donc je vous glisse directement le chat ici. Dans le chat, pardon, le lien, bien sûr, de ce webinaire. Il vous suffit d'être client sur compte réel chez Admirals. Vous le voyez, c'est inscrit ici. Minimum de balance sur le compte à 1000 euros. Et vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, directement dans ces webinaires mensuels, puisque c'est une fois par mois qu'on se retrouve pour ces séances swing trading. Je vais venir vous saluer. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Tu nous es le yo, justement. Salut à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, du coup. Philippe qui nous est bonjour à tous de Bretagne. Et bon trade. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. Bienvenue parmi nous. Rudy également qui est avec nous, qui nous fait beau soleil en Belgique. Belle journée à tous, n'oubliez pas le pouce. Merci beaucoup Rudy, ça fait plaisir. Bienvenue à toi également. Didier aussi qui est avec nous, Laurent, Leonardo, Christian, Marc, Thomas, Régis également qui nous disait hello de Thaïlande, toujours super webinaire hier soir, méga pouce bleu. Un grand, grand merci Régis. Comme tu le soulignes, justement, on était live dans le webinaire hier pour parler d'une stratégie de trading simple pour débutants. Vous aurez le replay sur la chaîne YouTube courant de la journée pour pouvoir visionner encore et encore ce webinaire ou le découvrir si vous avez pu être présent avec nous. Frédéric qui nous est aussi, bonjour 20e pouce, merci beaucoup, bienvenue à toi Frédéric, ça fait plaisir. Michael, Jérôme, Jean-Luc, Thomas, donc bonjour à tous. On t'entend mal Jérémy. Alors regarde si c'est chez toi Thomas, j'ai l'impression que les autres m'entendent bien. Quand je regarde du côté du volume du son chez moi, je suis bon, hein, le retour est bon. Du coup dites-moi si vous m'entendez bien. Ou s'il y a un petit souci micro ce matin, mais normalement il n'y a pas de raison. Hein. Damien qui nous dit salut Jérémy, salut à tous, bienvenue à toi Damien. Alors si tu es sur téléphone, augmente le son au max, hein, peut-être, ou mets des écouteurs Thomas, c'est de ça, hein, du coup. J'aimerais trader là-bas un jour, disait Didier, hein, depuis la Thaïlande, génial. Antonio qui nous dit aussi bonjour à tous, son ok, merci Antonio, et Vanessa qui nous dit salut, salut, bienvenue à toi également Vanessa. Allez, on attaque direct les graphiques, le JP225, toujours en tendance haussière, mais qui a de plus en plus de mal à progresser. Donc on descend sur le graphique horaire rapidement. L'idée ici, c'est de voir aussi ce qui s'est passé du coup en la séance asiatique. Déjà, d'un point de vue plus global, on est toujours dans une zone de range établie entre les 28 000 par haut, les 27 700 par le bas. Quand on va regarder ce qui s'est passé courant de la séance, justement, ça a été du coup à partir de là, de la baisse, ensuite de la réaction ici, ça mèche par le haut, ça mèche par le bas. Et ensuite, on est revenu en fait pour se poser et concrétiser à nouveau un test borne basse de zone de range. Vous l'avez vu ici récemment, résistance, support, ce trading de range qui va se maintenir pour le moment encore et encore sur le JP225. En tout cas, un ton plutôt peu négatif, hein, du côté de cette séance asiatique. Alors, je rappelle quand même le contexte également. On a eu des déclarations de plusieurs membres de la Réserve fédérale qui ont souligné le fait qu'ils n'allaient pas relâcher leurs efforts pour lutter face à l'inflation.
Donc bien sûr, on pense directement aux taux d'intérêt du coup qui ne vont pas être en baisse. Hein. Au contraire, à la rentrée, on va s'attendre justement à une probable hausse encore de 0,75 points de base. Donc à partir de là, on reste sur une confrontation, en tout cas un travail, on va dire, toujours aussi important de la Fed pour lutter contre l'inflation. Donc on va pas être dans la situation, on est déjà en train de se dire que c'est derrière nous. Non, non, au contraire, c'est toujours là. Et justement, la Fed nous le rappelle et nous dit bien que à la rentrée, il y aura très certainement aussi encore des hausses de taux pour continuer de lutter contre cette inflation. Deuxième élément important à l'heure actuelle, côté fondamental, c'est aussi les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, puisqu'on a du côté du coup de la Chine. Quand même, on a sanctionné hein, l'arrivée du coup de la représentante américaine. Je cherche le nom ici. Voilà, c'est Nancy Pelosi du coup qui est la présidente de la Chambre du coup des représentants aux États-Unis et qui est arrivée à Taïwan. Et du coup, ça a été quand même mal perçu, bien sûr, par Pékin, qui a directement convoqué en fait l'ambassadeur des États-Unis et a annoncé suspendre l'importation de certaines marchandises agricoles taïwanaises. Bon, voilà, c'est les deux dossiers un petit peu du coup pour ce matin, pour se rappeler de ce qu'il en est, en plus bien sûr de la partie technique, hein, ce qui nous concerne le plus bien sûr, surtout dans notre séance courte, quand on fait du day trading, du scalping, séance courte par exemple d'une heure concrètement ce matin, puisque la première demi-heure qu'on fait chaque jour ensemble de 8h30 à 9h, c'est plutôt de l'analyse de 9h à 10h, bien sûr directement du trading. Alors, cela étant dit, on en est où sur le DAX 40? Le DAX 40 pour l'instant se maintient face aux 13 400. On va rappeler sortie de zone de range ici, hop, juste là par le haut, avec cet obstacle qui était résistance 13 400, qui passe support jusqu'à preuve du contraire, puisque en plus ici on a des confirmations et ça se tient. On avait aussi hein, hier marqué l'importance d'une zone de range, donc on avait différentes choses. On avait une borne ici haute et basse pour une plus grande zone de range, borne haute des du coup 13 550, borne basse autour des 13 430. On est venu du coup jouer un petit peu la zone inférieure et vraiment le niveau clé des 13 400. On a même en fin de compte ici hein, été jusqu'au 350, mais ensuite on a réintégré juste ici la zone donc en support des 13 400. On avait une petite zone de range que j'ai lancée, puisqu'on avait aussi des maintiens ici, des maintiens par là, mais on rebreak encore pour marquer la réintégration du range plus important précédent aussi. Donc on va ajouter les points pivots, on va voir où on est au-dessus du point pivot. Donc on est en réintégration du coup de la borne basse du range précédent, 430 borne basse. Et on va voir ce matin si on a du rebond sur cette borne basse, idéalement pour aller chercher des prix médians et notamment les 13 500, concordant avec plusieurs jours, le sommet précédent, l'AR1 du jour, avant même la borne haute de cette zone de range. Donc on va voir si on n'a pas un petit peu de hausse à venir ce matin sur le DAX. Si on n'a pas cette hausse, ça veut dire qu'on va repartir sous le point pivot et sous la borne basse du range horaire et réintégrer le petit range le plus récent, mais à ce moment-là très limité. Attention avec les 13 400, il nous faudrait encore une fois casser les 13 400 pour avoir un peu plus de distance à parcourir direction la zone suivante déjà testée dans le passé, 13 350, et zone support S1 du jour. Donc voilà un petit peu le scénario aussi, le scénario baissier. Le scénario de range, ça va être quoi? Bah c'est à plus long terme un trading de range ici déjà, ou un trading de range par là. Donc déjà il faut soit confirmer qu'on reste dans une zone ou confirmer qu'on rentre dans l'autre. Donc grosso modo ici, voilà les scénarios pour ma part ce matin sur le DAX et ce qu'on sera en train d'étudier justement suite à l'open. On va regarder aussi le CAC 40. Un CAC 40, vous rappelez qu'il avait très joliment cassé du coup sa tendance initiale à la hausse suite à la cassure bien sûr des 6100, hein, cassure du range précédent. On est dans une tendance haussière. Je vous parlais quand même d'un besoin de respirer ici qui commence à arriver. Voilà, excusez-moi. Et du coup, voilà, on respire un petit peu pour l'instant, mais on est toujours dans une tendance haussière journalière pour ma part sur le CAC 40. Et cette respiration, justement, elle intervient avec ce qu'on avait un petit peu dit, c'est-à-dire retournement tout simplement ici du marché, retournement de la tendance. Ici, on était sur une belle tendance haussière. On a commencé à retourner le marché. Et à partir de là, on est sur un niveau très intéressant, les 6400. Si on cède sous les 6400, on a des creux à tester avant le niveau suivant, des 375. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on a un maintien un peu souhaité ici. On va descendre sur du M15 d'ailleurs rapidement. Je vais quand même rajouter les points pivots. Le point pivot correspond justement avec les 6400. La R1 est un petit peu au-dessus. Mais qu'est-ce qui se décline quand même ici? Ça va quand même être du trading de range également qui va prendre place ici. Qui sera plutôt comme ça, ce trading de range. Donc on va faire attention à deux zones aussi, hein, borne haute, borne basse. On va parler des 6385 et des 6425.
trading de range jusqu'à preuve du contraire pour ma part dans cette zone-là, attention sur le CAC 40 du coup. Ça veut dire quoi pour vos scénarios aujourd'hui? Du trading range jusqu'à preuve du contraire dans la zone, des breakouts convaincants soit par le haut, soit par le bas, en fonction des zones aussi. Vous voyez que le breakout par le haut, on a une belle distance avec les 6450 et la concordance de la R2 du jour. Par le bas, on fera attention, on a quand même les 375, la zone support S1 rapidement aussi, avant même l'obstacle plus intéressant, zone support en fait, et soutien 6350 points et zone support S2 du jour. On va surveiller ça ce matin du coup sur le CAC. En restant aussi sur du M5, le FTSE 600, donc qui sort aussi bien sûr depuis plusieurs séances déjà de sa zone de range au-delà des 7300. On n'oublie pas qu'on réintègre cette sortie en fait, et pour mieux réintégrer le range encore précédent, ce qui va susciter bien sûr des scénarios de hausse idéalement direction burnout et la R1 mensuelle. Et pour l'instant, on travaille déjà en réaction vis-à-vis du prix médian. On a eu un petit peu de correction. On consolide d'un point de vue horaire, c'est-à-dire qu'on a un range établi entre une borne haute 7430, une borne basse 7372, prix médian un petit peu autour des 7400 en plus. Point pivot du jour sans faire exprès qui est pile sur la zone. On a en même temps des belles concordances un petit peu en extra, hein, c'est-à-dire attention aux fausses cassures par exemple sur les 7362, la zone support S1. On a la R1 qui est vraiment marquée avec le niveau porno des résistances des 7430. Donc ici c'est du trading en range jusqu'à preuve du contraire également. Et preuve du contraire, toujours pareil, de très jolis breakout en confirmation idéalement. Donc là attention, on travaille autour du prix médian aussi ce matin de la zone de consolidation horaire sur ce qui est du FTSE 600. On va partir sur le marché américain, je reviens rapidement sur le chat ici. Continuez de saluer tout le monde bien évidemment. Can qui nous dit aussi bonjour tout le monde, bienvenue à Can. Thomas qui nous dit c'est bon ton volume, c'est juste ton volume qui est faible. Regarde, tout le monde dit que le son est bon, donc je pense que c'est de ton côté. On monte le son un maximum ou met des écouteurs peut-être, puisque ici je voudrais pas aller dans la saturation. Le son est bon pour tous normalement et c'est le même son des séances précédentes. Paul qui nous dit bonjour à tous, son ok parfait aussi, merci beaucoup pour votre retour aussi à tous. Vanessa qui nous est depuis Dubaï, ça fait plaisir Vanessa, j'espère que tu vas bien. Merci de nous suivre malgré le décalage horaire, ça fait vraiment plaisir. Jérôme qui nous est possible range entre le S1 et le R1 sur le DAX. Alors ce qu'on a vu sur le DAX, c'est que le range était présent. Tu nous disais R1 et S1, alors ça sera un grand range et pour l'instant on n'a pas les on n'a pas l'ADN vraiment d'un range entre ces deux zones là récemment. Si tu reprends depuis ce creux là, oui, tu as deux creux ici, tu as des sommets par là certes, mais le plus récent si tu veux c'était ces deux sommets là, c'était tous ces tests ici, et là tu vois bien en plus la petite zone qui a permis la réintégration. Donc c'est pour ça que je favorise si tu veux les derniers les dernières structures, mais si tu reprends et à ce moment-là tu le vois peut-être même plus encore en H4, oui tu as un range ici aussi. Bah après il faut faire un choix, tu vois, faut faire un choix et rester sur la référence qu'on choisit de manière systématique à chaque fois. Mickaël qui nous dit Jérémy, si tu devais sélectionner une liste d'actifs appartenant à plusieurs classes, devises, indices à trader le matin et l'après-midi, lesquels seraient-ils? Très simple Mickaël, forcément côté indice boursier le DAX, si je dois en sélectionner qu'un on va dire, hein, donc le DAX le matin, pour les indices, pour le Forex ce serait le GBP/USD le matin, pour les matières premières ça serait le gold quand même, plutôt que le pétrole je pense. Après bon, c'est quand je fais ces choix là je fais toujours des études du coup de volatilité et des études aussi horaires bien sûr poussées pour vérifier ces vérités générales. Donc pour les indices boursiers c'est d'autant plus simple, mais sinon je le ferai pour d'autres actifs et puis voilà, devises, indices, matières premières, je vais pas aller trader en fait grand chose de plus que ça, tu vois. Donc même à l'heure actuelle je suis 100% en fait un indice boursier. Je referai peut-être un peu de devises avec du swing trading par la suite. Talan qui nous disait aussi, hop, je peux vendre le GBP/USD s'il vous plaît. Alors ça, il n'y a que toi qui peux le dire, hein, Talan. On va aller voir, je vais te donner un peu mon retour là-dessus sur le GBP/USD et son état, mais je ne pourrais pas te dire achète ou vend. Il n'y a pas de signaux trading ou conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement non plus. Donc dans ces séances-là, c'est de l'éducatif et du pédagogique surtout. Antonio qui disait hier le Nasdaq, miam miam, excellent. Bravo, bravo. Avec les likes, Hubert qui nous dit bonjour Jérémy, bonjour à tous, bonne journée caniculaire encore en PACA. Aïe, 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 j'espère que ça va aller Hubert. Merci pour ton message et ton like. Et bien sûr, reste au frais un maximum. Nassouf qui nous dit bonjour à tous aussi. Soufia, Sofiane, Autorité. On a aussi Jérôme, HA, bienvenue à tout le monde. Merci pour l'explication Jérémy, nous dit Jérôme, je t'en prie, pas de soucis. Sophia qui dit pour moi aussi, le son est différent, mais assez bien pour entendre. Autorité qui nous dit coucou, d'accord, merci de ton avis. Nous disait Mickaël, je t'en prie Mickaël, je t'en prie. Alors je vais quand même essayer de monter, mais il ne faudrait pas que ça tombe dans la... Hop,
dans la, comment dire, dans la saturation. Tac. Allez, on continue. Le S&P 500 ici, donc toujours dans sa tendance haussière, mais limité par rapport à la zone de congestion précédente. Ici, la zone de consolidation précédente. Et du coup, on hésite de plus en plus en fait à continuer la hausse. D'un point de vue horaire, ce qu'il en est en tout cas, c'est aussi qu'on est sur un trading de range. Je vais voir si je peux écarter un petit peu la zone quand même up ici. Comme ceci. Et du coup, on est dans un trading de range qu'on a cassé quand même deux fois par le bas. Donc limite, on pourrait up comme ceci justement. Ajuster ce trading de range comme ceci, et c'est pas plus mal parce que ça nous donne un prix médian intéressant aussi. Et du coup, vous retrouvez quand même un test, deux, alors deux tests, trois tests, quatre tests, un test ici, deux par là, trois par là. Donc, du trading de range qui fera aussi l'objet du prochain webinaire à la rentrée. Webinaire, comme je vous le disais, sur les stratégies de trading pour débutants simples. On verra aussi ce genre de choses dès la rentrée, dont je vous partagerai le lien dès qu'il sera disponible. Donc à l'heure actuelle, voilà où on en est un petit peu. Autour des 4100, le cours actuellement qui pourrait tenter le rebond pour aller chercher au bord ici, un petit peu aux abords, je devrais dire, les 4125 aux abords de la résistance par le haut. On a de la concordance R1 justement ici et du point pivot juste là. Donc attention, on peut très bien rebondir, rester un petit peu aussi sur la borne basse, la zone basse, je devrais dire, de cette zone de range. Et si on casse le point pivot du jour et notamment les 4110, c'est réaction borne basse idéalement pour prix médian et borne haute. Donc voilà un petit peu les scénarios qu'on peut avoir, soit du rejet pour rester sur une zone inférieure, soit de la progression pour faire le full scénario du trading range borne basse, borne haute sur le S&P 500. Du côté du Nasdaq, très belle tendance haussière. Sur le Nasdaq, on est plus franc aussi, hein, on a su sortir de cette zone de consolidation pour l'instant. On va voir justement si le maintien se fait ou si on a une petite réintégration derrière. Le graphique horaire, lui, va nous montrer en l'occurrence aussi deux tests en réaction des 13 050. On est revenu de l'autre côté aussi sur les 12 825 et on travaille un petit peu au-dessus. Alors, on va remettre ça en support puisqu'on est repassé quand même un petit peu au-dessus, hop, comme ceci, de cette zone. Alors, on avait aussi un petit range que je vous avais mis en 15 minutes hier. Du coup, j'espère qu'il vous a été utile. En tout cas, ici, voilà ce qu'on va regarder. Alors, vraiment déterminant, c'est 12 900, soit pour du maintien, soit pour de la cassure. Si on a du maintien, on ira voir ce qui se passe des 12 000, sur les 12 000, pardon, 975. Alors, attendez, je vais actualiser le graphique qui répond plus. Hop. Voilà, les points pivots qui sont arrivés, donc point pivot du jour dans la zone. Donc soit on a une réaction comme ceci en fin de compte pour tester le creux précédent et ça a continué de marquer la consolidation. Quelque part, on est dans un range également ici présent comme ceci. Et du coup, si on arrive à se maintenir comme ceci, à casser en fin de compte, on pourrait avoir justement ce test des 12 975. La seule concordance du côté des obstacles, c'est sur la borne haute des 13 050 avec la R1 du jour. La zone inférieure, pardon, zone support S1 justement, 12 750 en dehors de la zone de range. Donc attention aussi à des fausses cassures pour des meilleures réintégrations possibles. Vous voyez ici des marchés qui sont en attente, clairement. On a aussi une belle hausse sur le dos, mais le dos comme le S&P en fait est déjà plus fonction encore de cette zone de consolidation ici précédente, et on a un petit peu de respiration aussi. Le graphique horaire qui nous montre qu'on passe de cette zone de range ici à celle-ci, mais alors quand on passe dans celle-ci, on casse un petit peu, hein, facilement. C'est une zone assez serrée qui est un peu moins respectée, même si à l'heure actuelle, justement, vous retrouvez l'effet résistance un peu borne basse de cette zone, légèrement aussi sous les 32 550. On va rajouter les points pivots. On a le point pivot qui est parfaitement justement sur ces 32 550, un peu niveau aimant de cette petite zone de consolidation dont on est en train de respecter la borne basse côté extérieur, c'est-à-dire en résistance pour pouvoir tenter peut-être le test du creux précédent. Si cassure il y a, zone support S1, 32 250 pour ma part. Si réintégration il y a, attention à la consolidation et à la possibilité aussi de repartir un peu plus haut pour confirmer le changement de cette zone résistance en support. On va partir aussi sur la matière première comme le gold. Michael qui nous disait du coup sur le PC, je t'entends bien. C'est vrai que sur le portable, on t'entend beaucoup moins. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, c'est souvent le cas sur téléphone. En fait, sur téléphone, très souvent, il faut brancher directement les écouteurs et normalement, c'est nettement mieux. Mais c'est dommage pour ceux qui nous écoutent sur téléphone. Donc après, si je monte un petit peu trop le son, je vais être en saturation. Et là, je suis même au max en fait. Juste vérifier quelque chose. Mais ouais, tout est correct. Ça y est, tout est correct. Et je suis en fin de compte, je suis même au maximum déjà. Mohamed, voilà, qui nous dit salut tout le monde, bienvenue à toi aussi Mohamed. Alors, on a ici aussi du gold qui est toujours dans sa phase respiration. Vous vous rappelez, après une belle amplitude à la baisse, on a de quoi respirer très souvent de manière proportionnelle. C'est tout l'intérêt des retracements de Fibonacci, par exemple.
qui nous donne des tests de la zone 50-61,8 de Fibo à l'heure actuelle, légèrement quand même au-dessus du point pivot mensuel qui peut maintenir un petit peu et susciter un rebond en fait plus intéressant. On pourrait même réagir et revenir carrément dans cette zone résistance pour trouver du rejet en daily. Le graphique en tout cas horaire nous montre qu'on ressort de la zone de range. Vous vous rappelez, on avait réintégré cette zone de range pour aller chercher le test borne bas justement des 500, des 1755, on va y arriver, non loin du point pivot mensuel. Réaction immédiate, test du prix médian entre peine, hein. On a été chercher rapidement les 65, on est même sur le test des 1770 pour l'instant. Donc ici on est face à une résistance, puisque support précédemment, résistance désormais. Deux scénarios possibles: soit on rejette, on consolide un petit peu comme ceci et ensuite breakout haussier ou breakout baissier pour intégrer le range. Soit on arrive à casser sans trop de peine et on ira directement sur des obstacles et tests de résistance. Vous voyez que la concordance résistance R1 se fait avec les 1780, niveau intermédiaire pour moi un peu plus haut quand même, et que le point pivot du jour est exactement par contre sur la zone des 1770 $ l'once d'or. Donc attention à un rejet pour consolider peut-être et ensuite breaker par le bas ou par le haut, soit une poursuite un peu plus agressive par le haut, soit même une réintégration comme ça possible sans range. C'est aussi bien sûr une des possibilités pour ce matin. Ce qui est clairement ici par contre sur du M5, c'est le range en cours déjà avec cette borne haute du point pivot du jour et des 1770. Une borne basse qui va tourner autour des 67,50 juste avant du coup la réintégration possible du range précédent. Du côté du pétrole, on a toujours autant de mal avec les 109,50 prix médian de la zone de range en journalier. Je vous rappelle que la borne basse, c'est niveau clé psychologique des 100 $ et la borne haute des 115 $ le baril. On est sous le point pivot mensuel. Et quand on regarde même hop, ici, avec un peu de recul, ce qui se passe sur le graphique horaire, on a réintégré la zone de range précédente. Vous voyez à quel point ces zones de range sont importantes. On a été travailler la borne basse, on en avait parlé justement, et ici on a bien respecté la borne haute. Donc, Donc ici un range établi entre les 103 par le bas, les 106 par le haut, et un prix médian des 104,50, tout simplement toujours autant d'actualité. Je vais juste ici mettre de manière précise les 103 et pas les 103,01, voilà. Donc trading de range d'actualité en train de réagir en plus sur le prix médian de la zone à titre de résistance 104,50. Donc attention à du trading de range, hein, toujours pareil, borne basse, borne haute, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire de jolis breakouts convaincants surtout. Quand on part sur l'euro dollar côté forex, ce qu'on va retrouver également, c'est beaucoup d'hésitation, soit à retracer plus profondément, soit à continuer la tendance baissière. Sofiane qui disait, du coup, je suis sur le téléphone, j'entends bien. Ok, parfait, bon retour, merci Sofiane. Bourbon qui nous disait bonjour tout le monde aussi, bienvenue à toi Bourbon. Damien qui nous disait, pourquoi utilises-tu Ekanashi sur le gold? C'est juste pour vous mettre quelques indicateurs du coup que j'utilisais dans le temps. Ekanashi par exemple ici sur le gold et sur l'euro dollar. Et notamment tu pourras retrouver l'indicateur fractal sur le GBP/USD. C'est les seuls indicateurs que tu verras ici. Bon, j'en mets quand même puisque certains me demandent, mais bon quand même, qu'est-ce qu'on peut mettre comme indicateur? C'est ceux que j'utilisais dans le temps. Après, vous pouvez bien sûr utiliser d'autres choses. Si vous voulez voir un peu d'Ishimoku, des moyennes mobiles, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, le point ici, c'est que je vous mette vraiment et que je rappelle très souvent que le plus important en trading pour ma part, car je veux vous apporter de la valeur, c'est le comportement du prix directement, le price action. Alors, Rob qui nous dit hello à tous, bienvenue à toi Rob. Et Florian qui nous dit salut Jérém, salut viewer, bienvenue à toi aussi Florian. Eddy aussi qui est avec nous, qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi. Allez, on continue. Donc ici, justement, l'euro dollar qui hésite beaucoup et qui repasse sous son point pivot pour le moment mensuel. Tout ça, ça va se traduire par de la consolidation également. Ici, on va retrouver en fait un range établi entre les 1,0250 pour ma part et les 1,0150. Donc, on a bien réintégré ici la zone. On a testé la borne basse en la respectant. On revient autour de la zone médiane un peu incluse entre les 1,02 et les 1,0190. On rejette et on recherche encore le test de la borne basse. Donc soit encore pour un rebond, ce qui pourrait faire même un double creux. En cas de cassure du coup du haut de ce double creux, on pourrait aller sur des zones supérieures de cette zone de range. On a un point pivot justement, se dit en passant ici. Et sinon, si cassure il y a, on aurait la zone support S1 et les 1,01-1250, pourquoi pas aller rechercher par le bas. Donc voilà un petit peu les scénarios. Vraiment les 1,0150 déterminants, je trouve, en ce moment, notamment pour notre séance ce matin sur l'euro dollar. On va partir sur le GBP. Le GBP qui travaille beaucoup, les 1,21-75. On est légèrement en dessous. Je vais repasser ce niveau
en résistance donc pour le moment. Vous vous rappelez, on avait cassé le sommet précédent. Par contre, on n'a pas su casser encore les autres niveaux. On a en plus une RA mensuelle, donc ça bloque un petit peu pour le moment. Le graphique horaire, lui, va nous montrer la sortie de la zone de consolidation précédente avec cassure des 1,2250 pour aller chercher sans trop de peine, déjà aux abords ici des tests en des 1,2175, réaction, réaction, cassure, et ici réaction plus sous forme un petit peu de résistance et borne de zone de range dans laquelle on évolue. Alors, si on veut l'écarter un petit peu pour marquer tout ça et réactualiser vraiment ce niveau-là qui est assez propre, ça va nous donner quel niveau ici? On va mettre ça sur les 87 et ici on va mettre ça sur les 45. C'est assez propre. Alors là, même la borne basse, hein, vraiment des 37 à peu près. Donc, trading en range établi pour moi entre justement ces 1,2187 et cette borne basse des 1,2137. Donc ça réagit fonction aussi hein, des 1,2175, mais vous voyez que le rejet borne haute se fait pour l'instant. Travailler le prix médian, idéalement venir chercher un test de borne basse. Donc ici pareil, réaction possible puisque trading en range ou cassure pour un breakout baissier. On va rajouter des points pivots, voir si on a la moindre concordance. Le point pivot qui est un petit peu au-dessus de la borne haute, pareil la zone support S1 qui est un petit peu en dessous. Mais on a tout simplement une belle zone support aussi des 1,21 qu'on n'oubliera pas en cas de breakout baissier. Donc voilà, on en est encore dans un trading de range en fait sur GBP. Quand on regarde l'USDJPY, réaction faite sur la zone support des 131,50, concordant avec la zone support S1 mensuelle, et qui était donc déjà une belle zone de résistance ici, support par ici, support encore par là. Après, ça ne change pas le fait qu'on a cassé ici et qu'on a retourné la tendance d'un point de vue journalier. C'est juste qu'on a un obstacle zone support qui, sur des graphiques en fait supérieurs encore, va marquer par exemple tout simplement ici le fait qu'on est dans de la tendance haussière et qu'on est juste dans une respiration. Donc ça tout dépend ensuite des références de graphiques que vous étudiez au quotidien pour prendre ce genre de décision. Vous fiez à quelle référence plutôt, enfin à cette référence d'unité de temps plutôt qu'à une autre par exemple. Quand on regarde ce qui s'est passé, de la consolidation ici dans la borne basse pour mieux breaker par le haut. Enfin, borne basse dans la partie inférieure je devrais dire, parce que c'était un trading de range qui a breaké par le haut violemment. On est revenu chercher un test des 132,25, on repasse au-dessus des 131, pardon des 132,75 et là test de la résistance 133,25 pour le moment justement. Donc depuis un beau rebond qui nous permet de revenir au-dessus du prix clé en fait des 131,50 et qui tente de marquer pour l'instant l'élan et le décliner en fait hein, vraiment une nouvelle tendance. Donc on en saura plus avec vraiment ces 133,25 puisque c'est vraiment le niveau du moment. Soit on arrive à breaker pour aller chercher le sommet précédent et les tests des 133,75, soit on rejette pour respirer sur les 132,75. On va rajouter quand même des points pivots, on va voir si on a des concordances ici. Non, la R1 qui est un peu au-dessus, oui, le point pivot concordant avec les 132,25 de l'autre côté. Donc là, on a une impulsion pour y voir un flag. Il faudrait qu'on descende sur les unités de temps pour regarder ça un petit peu mieux, comme par exemple du M1. On va regarder ça en 2 secondes. Hop. Ah, il est pas magnifique ce flag, hein. Il est pas très beau ce flag. On peut avoir quelque chose comme ça. Mais bon, il n'est pas extraordinaire. On va le garder à l'œil, on va voir ce qui peut se passer ce matin. Hop. Quand même sur l'USDJPY. On va partir sur l'euro GBP à 2002 open. Je me dépêche. Cassure donc sous les 0,8425 et l'en baissier. Donc tendance baissière bien sûr. Et pour autant, on est dans une zone de range établie entre les 0,84 et les 0,8350 dont on teste à l'heure actuelle la borne basse pour tenter peut-être un break. On fera attention. Point pivot juste au-dessus avec les derniers sommets. Si on a un break, attention au creux précédent avec notamment la zone support S1 et les 0,8325. Sinon, trading de range possible hein, si on rebondit un peu comme ceci aussi malgré qu'on soit aussi dans le concept d'un range plus grand juste avant. Et on en reparlera, je me dépêche juste parce que ici ça va être l'open. Donc on regarde on fait le petit point Bitcoin en séance. N'hésitez pas à parler dans la séance si vous avez des actifs que vous souhaiteriez voir ici sur les graphes pour voir ce que j'en pense. Je vous montre rapidement pour l'instant sur l'open et d'ailleurs je vais aller actualiser un petit peu tout ça, enfin préparer tout ça. Voilà ce qu'on va avoir, donc d'une tendance baissière possible, on est en train d'avoir l'open d'ici moins d'une minute. Je reviens sur le chat dès que possible, mais pour l'instant c'est vrai que ça sert plutôt sur de la baisse ici pour le DAX.
Et on va démarrer du coup notre séance ensemble. Le CAC 40 qui serait plutôt orienté haussier, le FTSE aussi, mais vous voyez le DAX qui est plutôt baissier. Alors le DAX, pour remettre les choses en place, on est en train de percer le point pivot, de tenter. Attention, c'est l'effet de l'open aussi qui peut s'exprimer ici. Quand on regarde un petit peu tout ça, vous vous rappelez, ouais, ça va être vraiment fonction de cette zone-là, soit pour intégrer le range d'avant ou se maintenir dans l'autre range. Pour remettre tout ça en contexte, c'est cette zone ici qui est la borne basse, ok, donc la supérieure pour la petite zone de range. Hop. Donc on est en train de réintégrer le petit range en fait ici, qui a donc pour borne basse directement les 13 400, attention. Le gold, attention, qui range, le GBPUSD qui va ranger désormais, l'euro dollar qui a orienté tendance baissière pour l'instant. En graphique 3 pips, on va regarder l'euro dollar, on en est où? C'est vrai que on est sur le test de la borne basse, donc attention quand même. On va remettre ça en place aussi ici, donc autour du prix médian vraiment de la zone de range sur le FTSE, de la réaction et du rebond sur le point pivot aussi, 1400 sur le CAC pour l'instant qui veut rebondir. GBPUSD face à la résistance. On a du mal par rapport au creux précédent, en tout cas sur le GBPUSD. Ça veut descendre hein, pour l'instant. Ça veut descendre. Sur l'open, on a un DAX qui passe sous la zone du coup des... c'était les 430. Hein. Sous la zone des 430. Point pivot autour des 420. Et bande basse ici des 13 400 pour l'instant. Allez, en attendant, je vais revenir sur le chat. Rob qui nous est, hello à tous, bienvenue à toi Rob. Je sais plus si je t'avais dit bonjour. Asmo qui nous disait bonjour Jérémy, pardon, bonjour tout court, merci d'utiliser votre temps pour que vous prenez pardon pour nous former. Avec grand plaisir Asmo, avec grand plaisir. Content que ça te plaise ce contenu justement chaque matin. Mathis qui nous disait une petite analyse de l'XAUSD pourrait être cool si possible. On est passé sur l'or, on est passé sur l'or ici. Je te redonne le contexte, mais déjà à court terme, trading de range avec donc les 1770 par le haut, les 1777,50 quasiment par le bas. Et du coup, pour le reste de la journée, ça sera vraiment plus encore fonction des 1770. En tout cas, tu es dans un entre-deux, c'est ce qui traduit la zone de range à l'heure actuelle ici. Justement, soit pour partir vers le bas, breakout baissier ou breakout haussier pour la journée. Ça continue de baisser pour l'instant, pas d'opportunité particulière pour ma part. On va voir ce qui se passe sur l'euro USD. Également ici, tac. Ah ouais, même réaction vis-à-vis de ce niveau-là, attention. Trading range sur le gold, comme je vous le disais, un FTSE 100 qui part à la baisse. Alors si le GBP USD peut repartir à la baisse depuis le rejet borne haute pour aller sur la borne basse. Ça part directement hein, sur l'open ici. Pour l'instant, c'est un scénario uniquement agressif qui paye. Je suis pas dans un scénario agressif ici. J'attends tout simplement d'avoir des opportunités. Je sais que je suis en baisse sur le M5, sur le M1. Mais il faut attendre bien sûr ici que ça se confirme avec d'autres éléments. Sinon, on est très agressif et on traite juste le mouvement. En fait, on traite pas des setups, on traite juste le mouvement. Le CAC 40 qui est en tentative de cassure du point pivot des 6400. Beaucoup de tests hein, sur la 6400 pour l'instant sur le CAC. Alors peut-être pour un petit peu de baisse sur le GBP. Un petit peu risqué, on n'est pas directement sur la borne haute pour ce trading de range.
Je vais retester encore les 1.21.75, peut-être le GBP/USD. CAC 40 qui va ranger pour l'instant pour moi encore. Assez incertain. Attention au gold qui range pas mal mais qui veut redescendre un petit peu. Allez, est-ce que ça va réagir un petit peu autour des 13 400? Je reviens sur le chat. Seb qui nous dit salut à tous, j'adore la matinale. Merci beaucoup Seb, ça fait plaisir. Mathis qui nous dit XO USD s'il te plaît, please. Alors le XO USD c'est le gold hein, face au dollar américain et chez Admiral c'est ce que tu as avec le gold ici tout simplement. Donc on est en train de tenter la cassure du petit range pour voir si on peut réintégrer le grand range. C'est ce que je te montrais sur le graphique Quora tout à l'heure. Ici, direction du point pivot. Alors, hésitation ici, soit pour continuer de manière agressive, soit pour réintégrer les 13 400 dans un premier temps. En tout cas, c'est le FTSE 100 qui descend bien. Stand-by toujours sur le GBP/USD pour ma part. Attention, ça peut être un piège aussi, hein, descendre un petit peu pour mieux remonter après avoir obtenu des prix favorables hein, autour des 13 000. Ça dépend aussi bien sûr le style de stratégie qu'on veut employer sur les marchés, mais pour l'instant, du coup, attention, on est en train de réagir avec les 13 400. USDJPY qui est en train de casser par le bas le canal. Charlie qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Charlie. Merci, j'ai prédit la baisse donc on va prier, tu nous disais Mathis. Ah. J'espère que ça se passera bien pour toi. En tout cas, il n'y a pas de chance, hein. Je rigole hein, bien sûr. Enfin. C'était marrant ce que je veux dire, mais je le rappelle pour tout le monde, bien sûr, éviter un maximum le mode espoir, éviter un maximum de partir en mode prière, etc. Parce que les trades gagnants, les trades, enfin, tous les trades qu'on prend, le résultat sera issu du coup surtout du travail de l'analyse et du respect d'un plan qui s'exerce de manière constante et au quotidien. En fait. On a un peu de réaction, on revient un petit peu sur les 13 500 pour l'instant sur le DAX. Hésite avec les 13 400 pour l'instant, le CAC qui est revenu sur son sommet précédent déjà.
Si t'as 5 minutes sur le Bitcoin pour voir l'Ethereum, ce serait top, nous disait Michael. Pas de soucis, on va aller voir ça. C'est vrai que du coup, j'ai démarré rapidement puisqu'on était en retard. Mais ici, on est donc sur du daily déjà, dans la tendance haussière, sortie, vous vous rappelez, de cette zone de range. Hein. Qui avait travaillé, cassé, respecté côté extérieur, impulsion, correction, et aux abords en fait du point pivot mensuel pour l'instant. C'est vrai que le dernier sommet est pas très loin du sommet précédent, attention. Quand on regarde dans le détail en plus, ce qu'on a sur le graphique, c'est qu'on est sorti de cette zone de range pour établir une zone intermédiaire entre cette zone de range là et celle-ci, mais au final ça range aussi en plein milieu, c'est-à-dire que la borne haute se retrouvait en fait fonction des 23 450, borne basse quasiment fonction des 22 600, et vous voyez en fait on a plusieurs tests ici, plusieurs tests par là, donc c'est encore en consolidation ici entre deux zones de consolidation, donc ça fait beaucoup beaucoup de range clairement établi pour ici, mais voilà, en cas de sortie on réintègre bien sûr le range précédent par le haut, sinon le range précédent par le bas. Mais on voit clairement la situation de consolidation à l'heure actuelle sur le Bitcoin, malgré du coup un ton plutôt haussier en daily, mais qui commence à se poser des questions. Sur l'Ethereum, ici on est sur une belle structure aussi. Alors c'est toute une zone, hein, c'est pour ça que la résistance est aussi 1700, mais c'est une zone qui peut aller jusqu'au 1615 quasiment, dans cette zone ici où on retrouve en fin de compte tout simplement la possibilité d'avoir. Alors attendez, je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe sur le DAX. Ouais, c'est limite. On va revenir juste 2 secondes sur le DAX parce que on est en plein test de la zone des 13 400. On va juste finir avec l'Ethereum ici, donc belle zone puisque résistance ici, support par là, mais au final on a quand même les 1700 juste au-dessus à faire attention puisque belle zone dans le passé justement, et c'est 1700 qui avait suscité, vous rappelez, ce trading de range justement établi entre les 1750 et les 1650. De l'autre côté on avait une zone de range établie 1600-1500, on l'a réintégrée pour mieux ressortir et la respecter côté extérieur, donc au final c'est un petit peu la même histoire. On va ranger entre deux zones de range. Donc trading range jusqu'à preuve du contraire pour des breakouts haussiers ou baissiers. Le ton journalier plutôt haussier. On aimerait bien sûr repartir sur le range plus haut. Mais bien sûr, bah ça dépendra de ce qui va se passer courant des prochains tests de la borne haute et des prochains tests de la borne basse. Voilà un petit peu pour ce point crypto. Sophia qui dit du coup c'est bien. Alors c'est pas bien, pardon, de trader le mouvement. Alors je préfère trader le mouvement à travers aussi des signaux, si tu veux. Trader juste le mouvement parce qu'on voit que ça part à la hausse et qu'on clique sur le bouton buy directement. C'est une des erreurs que j'ai commis au départ quand j'étais débutant. Du coup, et que j'avais pas l'expérience et les connaissances que j'ai maintenant. Et du coup, c'est pour ça que je tiens à le souligner, c'est important et il faut faire attention à ça. On va voir pour une petite tentative sur bougie de temps ici. Alors, je vais activer la touche auto trading. Hop. Une petite vente possible ici. On va voir ce que ça peut donner. Alors, je suis en vente aussi sur le DAX. Ça a commencé à se réveiller. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, petit TP1 pour l'instant. On va sécuriser très rapidement puisque on a déjà eu une belle baisse. Mais c'est du 10 points. Je vais sécuriser à 10 points derrière. TP2 sur les 369 qui ferait un joli ratio. Donc, petit short sur l'USDJPY, on va rapidement pour rechercher le test des creux précédents en sortie du canal. Assez risqué, intervention sur du M1 carrément. Et on va voir ça. Un scénario un peu plus risqué quand même que d'habitude. On va regarder ce qui se passe sur l'euro GBP. Tentative de cassure par le bas sur l'euro GBP. Mais on a les creux précédents à surveiller. Attention. Sur les 15 minutes, on le verra. Hein. Ces creux, ils sont juste là. Donc, quelque part, on range aussi. Comme ceci. Alors, j'en profite pour vous rappeler que demain, il n'y aura pas de live. La matinale, on la retrouve ensemble. La matinale Admirals, on la retrouve dès lundi prochain. Lundi, mardi, mercredi. Et après, on se retrouvera directement le 25 août. Ensemble dans ces séances. Je vous montre le calendrier puisque je vais prendre quelques jours de congé.
Donc je prends le jeudi, vendredi ici, pareil la semaine prochaine, et puis en fin de compte, je suis de retour pour le live le 25. Il y aura le live swing trading justement attendu le 25 aussi, mais on fera la matinale le matin et le vendredi également. Et ensuite, bien sûr, comme d'habitude, on redémarre à l'habitude tous les jours de 8h30 à 10h. Donc hésitation, sortie à zéro pour l'instant sur le DAX. Donc plus de scénario en cours. Ça range, attention sur le M1. Toujours orienté sur la baisse possible sur le M5. Ça travaille et ça réagit quand même pas mal depuis les 13 400. Alors l'USDJPY qui a du mal à s'affranchir du canal par le bas, pour rechercher le test du creux précédent et notamment les 132,75. Stop court, hein. Stop court, donc on va voir ce que ça donne sur graphique temps, intervention sur du 1 minute, quand même un peu plus risqué. Hop, pas ici, pardon, mais plutôt là. Et du coup, retest du sommet précédent pour l'instant. Alors, test réaction en contre-tendance, qu'est-ce que ça donne? Je suis sur un exemple ici. On va voir ce que ça va donner. Entrée de prix 410, on va pour un TP1 à 14 points sur les 424. Ce qui est un peu plus osé, puisqu'on a une petite structure ici, mais on va voir pour le test du sommet précédent. On attend donc des 424,98. Voilà, encore une bougie pour un TP1. Ça, typiquement, c'est de la contre-tendance. Réaction sur une zone support. Et ensuite opportunité si elle se présente bien sûr. Mais pour l'instant il manque encore une bougie. C'est pas le genre de setup que j'aime appliquer en règle générale. Là j'en profite puisqu'on a une sacrée réaction sur les 13 400. On a un CAC qui veut se maintenir aussi. On va regarder le FTSE 100. Il est aussi posé en fait sur une borne basse. Donc on va voir tout ça. Allez, il faudrait que ça monte encore d'une bougie, c'est-à-dire de peu près 6 points. Asmo qui nous dit, selon vous, quelle paire aimeriez-vous que je trade? Alors j'aimerais que tu trades la paire qui te convient le mieux à ce moment. Donc ça, c'est pas à moi de t'orienter dessus. Je peux t'orienter vers ce que moi j'aimerais, enfin ce que moi je considère comme par exemple pour l'open le matin ici, étant sur le long terme la meilleure paire à trader, c'est le GBP/USD. Étant donné du coup sa volatilité associée à ses conditions de trading, le GBP/USD est une bonne paire. Il y a des stratégies comme le London Breakout qui existent aussi. Tu peux faire sur de différentes paires justement ici. TP1 d'atteint, je vais pouvoir sécuriser. Je crois que j'ai même été slippé. J'ai même été slippé puisque ça fait du 16 pips, donc slippage positif. Et oui, ça existe. Je me place à 16 pips de l'autre. 16 pips, 16 points, pardon. Ici, je parlais forex juste avant, c'est pour ça. TP2, on va voir, il sera autour des 41, un petit peu plus haut. Pour du coup encore un peu plus de points, 29,5 points, à peu près 30 points en attente sur du trading de contre-tendance. Assez particulier, hein. Ici je vous montre pas toujours du trading de contre-tendance. Pourquoi? Puisque assez risqué, on fait attention. Stop sortie d'ailleurs ici sur graphique temps avec l'opportunité de baisse ici en retracement sur l'USDJPY qui n'a pas voulu donner, qui va retracer plus profondément pour l'instant. On va regarder un peu l'EURJPY également. Je vous avais fait un exemple justement hier sur l'EURJPY. Une paire assez intéressante aussi l'EURJPY. Du coup, largement baissier, graphique horaire qui nous montre un petit peu l'hésitation ici. On va ajouter d'autres petites choses. Voilà, donc là pour l'instant, on se limite sur le creux précédent, rejet de la R1 récemment. Ouais, pour l'instant, pas grand-chose à faire.
Alors, GBP qui retente la sortie par le haut. J'ai un GPP justement en tendance haussière. Ah, il n'y a plus qu'une bougie pour le TP2. Je vais l'ajuster sur les pile poil les 40. Même 39 et quelques, ça devrait pouvoir se déclencher sans trop de peine. Mika qui faisait top, merci. Je t'en prie. Jérôme qui faisait plus 1,78 sur le rebond du DAX. Vive l'Open. Bravo, bravo, Jérôme. Félicitations. Je suis aussi sur là-haut sur le rebond pour l'instant, toujours en cours. On va voir si on peut aller chercher 440, 50 à peu près. Antonio qui dit du coup, pour moi le DAX est presque prêt pour la cueillette. Ça marche, ça marche. On va voir ce que ça peut donner. On est en train de tester un petit peu la borne haute, donc c'est pour ça que c'est un peu ambitieux pour moi d'aller encore sur les 40. Mais on va laisser faire de toute façon scénario protégé en contre-tendance. Le Yo qui nous dit, que penses-tu du CHFJPY? On va aller voir ça si tu veux, Florian. Tu nous dis, je rêve, tu prends des vacances et tu nous laisses. Oh, c'est bien rare, tu le sais bien. DAX en achat, 3% de profit. Bravo, Michael. Alors, CHFJPY, hop, on va aller voir ça si tu veux. Tac, je vais ouvrir un nouveau graphique. Normalement, je l'ai CHFJPY, non. Alors, ici, d'un point de vue déjà en journalier, intéressant, intéressant. Ici, on est en tentative de marquer en fait vraiment. La confirmation de la cassure du range par le bas. Je vais juste regarder les niveaux que ça nous donne ici. On va parler des 139 et des 143, j'ai l'impression. Et là, on est en fait sur le test côté extérieur, soit pour un maintien de la cassure, soit pour une réintégration de zone de range. Donc déterminant ce qui va se passer ici dans la zone. Et d'un point de vue plus dans le détail pour aujourd'hui, tu vois à quel point ça travaille vraiment cette zone-là. Il faudrait réussir à ressortir par le bas. Test du creux précédent, point pivot, zone support S1, du coup pour la baisse bien sûr. Et si ça se maintient, on en saura quand même plus en fonction de la cassure de ces sommets et de la R1. Parce que sinon, ça peut quand même encore être du trading de range ici dans la zone. Attention. Mais je pense que tu regardes cette paire peut-être plus pour du swing trading. Antonio qui parlait de 40, pardon, de 15 points, voilà, sur le DAX à l'achat. Bravo Antonio. Bonjour Monsieur Jérémy, nous défie, bienvenue à toi. Qui nous dit aussi, Jérémy, faites l'analyse du gold en Ichimoku. Alors, on peut aller sur le gold, rajouter Ichimoku. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais même ouvrir un autre graphique du gold, puisque pour Ichimoku, le mieux c'est un fond noir. Donc, on va changer ça en 2 secondes. On va juste garder un œil. Je suis passé à 1 mm de mon TP avec les 39,95 sur le DAX. On va voir si ça peut être atteint. Et du coup, je vais juste. Alors, hop, déjà, on enlève. Parce que ça fait des objets pour rien historique de trading. On va changer les couleurs brièvement. On va mettre un arrière-plan en noir. On va mettre en gris ici. Premier plan, on va le mettre en blanc forcément. Les bougies aussi ici, on va changer tout ça. Couleur comme ça. Hop, voilà. Et on va pouvoir aller chercher l'indicateur situé Ichimoku. Il est où déjà? Voilà, Ichimoku Ginkoyo. On va laisser tout par défaut comme ça. Donc d'un point de vue ici déjà, alors vous n'allez peut-être pas bien voir la couleur bleu foncé, on va mettre du bleu clair. Voilà, c'est quand même mieux. D'un point de vue déjà ici journalier, ce qu'on a sur du gold, hein, c'est une tendance baissière. On le voit à travers le nuage, on le voit encore à travers la position ici de la Tenkan, la Kinjun, etc. Quand tu descends sur du graphique horaire, tu t'aperçois que le contexte est différent puisque la phase de respiration dont je parlais ce matin déjà sur le gold se décline par une tendance haussière ici aussi. Par contre, on a un prix qui serait tenté de sortir par le bas du nuage. On a une Tenkan Kinjun qui est déjà orientée sur de la baisse. Donc, possibilité de repartir bientôt comme ceci selon Ichimoku sur de la baisse justement sur le gold d'un point de vue horaire. Donc dites-moi si de temps en temps vous voulez voir ce genre de choses. Moi ça me dérange pas de vous afficher, enfin de vous mettre ce genre de graphique là. On passe à 1 mm de mon TP pour l'instant, impossible de l'atteindre. Typiquement j'aurais pu rajouter, rabaisser un petit peu, vu que c'est agressif en contre-tendance. Mais ce que je vais pouvoir faire c'est déjà me placer break-even en fait. Je peux déjà me placer break-even.
ici, même un petit peu plus pour le spread. Et du coup, c'est quoi ça? C'est. Ouais, c'est du. Hop, hop, hop. Du 2 petits points ici sur le DAX en stop suiveur sécurisé. On va voir pour la suite, mais on a aussi un départ possible hein, sur le FTSE 600. FTSE 600, il est où? On va le voir en réaction. C'est juste qu'on a le point pivot de prix médian 7400 qui est quand même pas très loin. On a le GBPUSD qui est largement parti à la hausse. Le CAC 40 pour moi qui est range encore hein, depuis 8 heures. L'euro dollar qui est à la recherche de prix haut pour l'instant. Allez, la hausse qui devrait pouvoir se poursuivre. Normalement, pouvoir avoir un TP2 qui va se déclencher sur la zone ici. Du coup, faut que ça pousse un petit peu plus. Ça a du mal sur les 39,95, mais on est passé très proche. En tout cas, c'est sécurisé. Le principal ici, même le swap tueur sera positif. C'est vraiment cette borne haute qui bloque. C'est pour ça que limite, je pourrais redescendre un petit peu le prix du coup de mon TP. Mais il faut que je le fasse quand le prix est plus proche. Du coup, voilà un can pour toi sur l'analyse gold avec Ichimoku. Thomas qui nous dit quel indice qui drive tous les marchés le matin. Tu pourrais regarder le stock 50, je le regardais à une époque et on voit bien qu'il est plus lourd, un peu comme le S&P 500 pour donner le ton. Ces phénomènes de corrélation varient aussi. Donc tu vas pas toujours avoir le stock 50 qui sera en avance, si tu veux, qui va mener la danse, qui va te donner l'indication la plus intéressante pour trader les autres. Moi j'aime travailler les actifs indépendamment les uns des autres. Donc je suis plus partisan de ça. Ne serait-ce que pour un backtest qui soit de qualité et un backtest qui soit plus efficient et plus simple à faire également. Alors je vais rabaisser quand même sur les 37,80 mon TP2, puisque ça a quand même beaucoup de mal. Là, ça a corrigé, on est sur les 28, il nous faudra encore 10 petits points pour y aller. On est sur un burn-out, donc c'est pour ça que ça a du mal aussi. Florian qui dit tu pars en vacances pour qu'on te rejoigne. Excellent Florian. On va en famille. Je vais voir mon frère qui est en Suisse, qui vient d'avoir sa première petite fille. Et ensuite en Alsace. Pour voir la famille à Emmanuel. Mais vacances mais travaux personnels quand même. Allez, on va retaper ici. Très certainement le prix pour pouvoir sortir en stop. Non, stop, en TP partiel, pardon. Oh, ça joue vraiment avec la zone. Emmanuel qui nous disait bien le bonjour à tous, bienvenue à toi Emmanuel. Vous vous portez bien, j'espère. Ça va, j'espère que toi aussi Emmanuel. Bourbon qui nous dit peux-tu expliquer comment on met un stop suiveur, s'il te plaît? Alors, tu as vu ici, je peux te faire l'exemple sur graphique. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? En fait, le stop suiveur, c'est juste le fait de bouger le stop initial. Donc, si je reprends l'exemple que j'ai moi, tu as le trait ici rouge. C'était le niveau de stop initial, donc il était là, tu vois. Au moment où je le souhaite, fonction donc de l'évolution du trade, de ce que je veux faire, je peux remonter, si tu veux, quand j'ai des gains, etc., le stop. Et ça devient un stop suiveur, puisque c'est plus le stop initial. Le stop loss, c'est le stop initial avec le montant qu'on est prêt à risquer. Là, je le remonte. Donc moi, j'ai un outil pour le mettre en break-even et je peux même le mettre ensuite, genre le déplacer comme ça, parce que ça, c'est la fonction par défaut sur MetaTrader. Et c'est comme ça que tu mets un stop suiveur en place manuellement. Si tu veux, tu peux le faire avec le mini terminal, la touche TS, mais à ce moment-là, ce sera dès que le prix évolue en ta faveur du moindre point que tu vas le suivre à une certaine distance. C'est une façon de faire, c'est pas forcément celle que je favorise justement, mais voilà comment tu peux faire. Dis-moi si c'est clair pour toi. Normalement, attends, je regarde même si on n'a pas un article spécial. Si, j'ai une vidéo déjà là-dessus. J'ai une vidéo. Alors, je vais te partager plusieurs choses, puisqu'il y a, voilà, il y a l'article correspondant aussi. Donc, je te partage l'article, et dans l'article, tu peux retrouver la vidéo, ou je vais te donner la vidéo, car dans le descriptif, tu peux retrouver l'article. Et on va regarder ça deux secondes. Ah, puis ici, donc, par exemple, sur la chaîne YouTube, hein, tu peux taper, par exemple, stop suiveur. Et tu retrouves cette vidéo-là, en fait. Et dans le descriptif de la vidéo... Hop. Tu as l'article qui correspond.
Donc je t'envoie directement le lien de la vidéo, je t'invite à la regarder, dis-moi même ce que tu en penses hein, si tu veux dans les commentaires. Mais tu vas apprendre pas mal de choses sur le stop sueur et tu as l'article complet aussi qui correspond. Et ben voilà, on va aller en Suisse, nous disait Mickaël. Ça marche. Excellent. Florent qui disait du coup tu restes loin du sud et loin de la chaleur. Bah, on y est tout le restant de l'année, du coup c'est vrai que faut bien qu'on voie un petit peu la famille, tu t'en doutes. Tu vas pouvoir faire un petit stock de chocolat suisse. Ouais, c'est clair, mais à éviter hein, pour le régime. Éviter. Bourbon qui nous disait, d'accord, merci beaucoup. Parfait, Bourbon. Et alors Michel Linter qui nous disait bonjour tout le monde. Le fait d'avoir XOUSD ou USDK en opposition, est-ce correct? Merci. Alors étude de corrélation, une fois de plus, hein, selon les unités de temps sur lesquelles tu interviens. On va les chercher si tu veux. Alors déjà, je vais chercher un graphique lambda. Je vais surveiller. Alors enfin, le TP2 d'Atin. Donc ici, je suis passé en stop sueur. Maintenant, je vais laisser faire et on va voir jusqu'où on peut aller. Il faudrait un breakout de la zone de range pour que ça donne quelque chose de plus intéressant. Mais sinon, vu qu'on est sur la borne haute, en même temps, contre tendance, boum, je vais tout sortir. Je vais tout sortir. Donc ça me fait un TP1 de 16 points, pardon, 27 points sur le TP2 et 19 points, quasiment 20 points sur le TP final, stop sueur en fait, sorti en positif. Je vais juste ici, du coup, aller chercher la matrice corrélation. On va étudier ça sur différents horizons de temps pour vous montrer la variabilité du coup des résultats et du comportement entre les deux actifs. Donc ce qui est bien, vous rappelez, hein, c'est que la matrice corrélation, vous pouvez, elle est indépendante de la plateforme, vous pouvez la sortir. Ce qui est bien aussi sur MT5, c'est vrai que maintenant vous pouvez sortir aussi les graphiques avec un clic, vous clic droit sur le graphique, vous faites fixer, je crois que ça s'appelle, et vous pouvez sortir le graphique. C'est assez pratique aussi pour ceux qui veulent être sur plusieurs écrans. Ce qui se passe ici du coup, c'est qu'on va, alors est-ce qu'on l'a déjà ici? Non, on n'a pas l'USD CAD. Alors attends, on va nettoyer un petit peu parce que ça fait beaucoup. Enfin, quoi qu'on peut, on peut le laisser. USD CAD, hop ici. On va l'ajouter. Le Gold, je pense qu'on l'a déjà. On va fermer. Tiens, pourquoi on a pas ajouté? Ah voilà, enregistré USD4, parfait. Donc si on prend la colonne du gold par exemple, hop, ici, tu as l'USD4 à l'opposé sur les 300 dernières semaines. Alors attends, on va quand même faire sur du 300 derniers jours, c'est quand même pas mal déjà. USD4 gold, tu vois ici, en fait tu as une relation si tu as avec le dollar canadien, aussi avec le gold, mais aussi avec le dollar américain face au gold bien sûr. Mais tu vois que ici par exemple, si tu prends vraiment les datas du marché, les 300 dernières journées, donc les 300 dernières barres sur des graphiques journaliers, tu as une corrélation qui n'est pas intéressante à étudier puisque tu as peu ou pas de corrélation avec un score à moins 7. Donc les positions ici vont se déplacer un peu de manière indépendante entre les deux. Si maintenant tu regardes par exemple les 300 dernières heures, là tu as une corrélation négative qui est déjà plus élevée. Tu vois, c'est une corrélation négative faible, mais elle est déjà plus présente ici à moins 46 de score. Bon, étant les plus intéressantes, hein, faut savoir que c'est celles qui sont en rouge et orange, hein. C'est-à-dire que par exemple le silver avec le gold forcément est corrélé énormément sur les 300 dernières heures, etc. Donc tu vois ici, tu as ce phénomène un petit peu qui change. Pardon, par exemple, si tu interviens même sur du M15, tu vas retrouver ici même un score positif. Alors très faible, mais il est même positif. C'est pour te montrer la variabilité des mouvements de corrélation qui existent entre les actifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc à chaque fois que vous vous posez une question, si tel et tel actif sont corrélés de manière positive, de manière négative, est-ce que c'est intéressant à prendre en compte ou pas, vous pouvez utiliser cet outil corrélation matrice ici chez Admiraz avec l'édition suprême, car ça vous permet d'étudier sur les horizons de temps que vous voulez et du coup aussi loin quelque part que vous voulez, puisqu'on peut remonter à 1000 barres, etc. et choisir le graphique de référence. Vous pouvez étudier ça pour du swing trading, pour du day trading, pour du scalping, etc. en temps réel. Donc voilà par rapport à cette question ici pour toi Michel Linter. Florian qui nous disait t'es pas très gros, ça va, régale toi pour nous. ça marche, ouais, mais quand même je fais attention, mais yes, non, c'est sûr, les petits plaisirs si on peut, hein, c'est clair. Julien qui nous dit bonjour à tous, bonnes vacances Jérémy, merci beaucoup Julien, ça fait plaisir. D'ailleurs aujourd'hui je vous mettrai le replay du webinaire d'hier sur la stratégie pour débutants partagée par Paul Wallace, un trader chez Admiral du côté UK. Du coup vous aurez l'occasion de regarder ça aussi. Les replays des autres lives, des autres matinales qu'on fait ensemble, si vous souhaitez revoir un petit peu ce qui s'est passé. On recommence pendant 3 jours la semaine prochaine avant que je fasse vraiment un break un peu plus important. Lundi, mardi, mercredi, on sera donc live le matin ensemble quand même.
68 likes jusqu'à présent, il est 9h35. N'hésitez pas à liker, partager un maximum. Ça fait vivre la chaîne YouTube et nous permet d'être live ensemble au quotidien. De l'hésitation pour ce DAX, j'ai bien fait de sortir pour l'instant. C'est la borne haute qui coince, hein, tout simplement autour des 13 430. Et pour le moment, on n'arrive pas à en sortir pour autant. Alors ici, on rebondit déjà un petit peu sur le M1 aussi. On était en train de discuter, tant pis. On a le l'euro dollar qui hésite, le GBP qui est orienté aussi mais qui a besoin de respirer. Le CAC 40 qui va toujours autant ranger pour moi. Du coup, on va regarder ce qui se passe un petit peu sur l'USDJPY. On est revenu sur le test de la résistance. Pas grand chose d'autre hein, ce matin pour l'instant, pour ma part. On a dû ranger de plus en plus hein, ici sur la borne haute pour le DAX. J'ai l'Inter qui disait merci car j'ai déjà eu trois fois exemple positif. Ça marche, ben, ça dépend sur quel horizon temps tu interviens et à la période sur laquelle tu interviens, puisque c'est vivant en fait. Hein. Des fois ce sera plus respecté, des fois moins. Mais c'est pour ça que d'avoir un outil dynamique pour te permettre d'évaluer ça, c'est je trouve important quand tu veux profiter de ces mouvements de corrélation. Le DAX est flat là. Ouais, il travaille son point pivot. On a un peu de rebond d'ailleurs sur le point pivot pour l'instant. Mais du coup, il a du mal avec la borne haute. Hein. Il a du mal avec la borne haute. Florian, tu nous disais, voilà, bonjour à tous, salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi Florian, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va. Dernier live avant 2 jours de break et puis la semaine prochaine, 3 lives encore ensemble et je prendrai plusieurs jours de break également. On se retrouvera le 25 août à la fois pour un live le matin et pour le webinaire du soir sur Swing Trading pour préparer le mois de septembre en mode Swing Trader et en mode investisseur. Donc n'hésitez pas, il vous suffit d'être client sur Contreal chez Admirals. Enfin, d'être client sur contre, d'avoir un contre réel en fait, tout simplement, chez Admirals, une balance à 1000 euros minimum et vous aurez accès directement au live. Emmanuel qui me disait, Jérémy, quelle particularité de la rentrée au niveau de la volatilité? Bah, le retour des professionnels, hein, tout simplement aussi sur le marché, qui ont pris un break courant du mois d'août et l'envie, si tu veux, de démarrer la fin d'année. Hein. Clairement, ça va être septembre, octobre, novembre. Décembre, ce sera déjà un peu plus calme aussi. Moi, c'est une période décembre où je vais déjà moins trader. Et à partir de là, c'est le souhait, si tu veux, de bien finir l'année. C'est des mois importants parce que ça va être riche en opportunités, riche aussi en data qui seront publiées, en réaction par rapport aux prises de décision des banques centrales, tout ça. Donc, ça va être très intéressant de regarder ça, justement. Anan qui nous disait « Hello, bienvenue à toi. Peux-tu me montrer le gold dans 5 minutes, Ishimoku, s'il te plaît ?» Yes, il est ici, le gold, hop, si on le balance en 5 minutes, ce graphique, et on va retrouver du coup, alors hop, on va retrouver ici les dernières bougies, en fait, en plein dans le nuage, sous la Tenkan et la Kinjun, orientées à la baisse, mais on n'est pas encore sorti du nuage par le bas. Voilà ce qu'on a ici sur le gold avec Ishimoku. Donc maintien et rejet pour l'instant de la borne haute de zone de range.
Anan qui nous dit du coup bon break à toi, merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir, je t'en prie. Julien qui nous dit, penses-tu que l'euro-dollar va rebondir suite à la parité du coup qui s'est produit il y a 2 semaines et hausse des taux de la BCE? Écoute, à l'heure actuelle, si on refait le point un peu sur l'euro-dollar, là on rebondit déjà sur la petite borne basse, l'air de rien pour retester les 1,0190. Mais d'un point de vue daily, ça a été la réaction justement. On a rebondi vis-à-vis de la parité. Alors on a quand même fait le test hein, des 0,9950. Et depuis, tu vois qu'on est revenu un petit peu ici. Alors la parité concrètement, hop, ouais, elle est plutôt là, juste là. On est revenu là en fait, autour de cette zone des 1,01 en fait. Et on a trouvé du maintien. Et on n'a pas réussi pour autant à casser le sommet et ni revenir sur le creux. Donc pour l'instant, on est sur une tentative d'ailleurs de revenir sur le creux. Donc ça consolide beaucoup. La parité qui a rendu timide la paire, hein, clairement, et qui a suscité un rebond. Bon, on a quand même breaké de 50 pips en dessous et ensuite on est reparti. Donc tout reste à faire dans le sens où tout est possible. Vis-à-vis déjà de la décision de la BCE, on peut avoir des surprises, on peut être dans le consensus, etc. On peut être au-dessus, en dessous, créer la surprise qui aurait un impact forcément sur l'euro-dollar. Et ensuite, bien sûr, on peut avoir tout simplement du trading en range le temps que ça arrive justement du côté de la BCE. Et si on a une cassure par le haut, on peut avoir une fausse cassure pour repartir. C'est ça qu'il faut faire attention puisqu'on a une sacrée zone ici, résistance. Et si elle est percée, par contre, réintégration du range précédent, ce qui serait favorable aux acheteurs qui ont joué le rebond de la parité par exemple sur l'euro dollar à plus long terme. Là on est sur du daily, mais regardez ça avec plein du coup de regards différents. Sur du monthly, on aurait besoin de respirer clairement, mais on est orienté sur une tendance baissière. Sur du weekly, on est aussi orienté sur une tendance baissière, mais on peut respirer jusqu'à cette zone là au moins ou réintégrer la zone. Donc ça dépend des horizons de temps aussi sur lesquels on se projette en fin de compte. Et faut pas l'oublier, ça joue énormément sur l'efficacité aussi des prises de décision qu'on peut avoir en tant qu'investisseur, en tant que trader. Puisqu'en fin de compte, aussi bien si on n'a pas le même point de vue sur l'évolution du cours d'un actif, tout dépend de l'horizon de temps qu'on se fixe, toi et moi par exemple, ce qui fera peut-être que même si toi tu es plutôt acheteur, moi je suis plutôt vendeur, bah peut-être que je vais pouvoir quand même toucher mes TP que toi aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes horizons de temps de référence. Donc c'est ça aussi en trading qui est ultra important, comme dans l'investissement, comme dans le swing trading. C'est les horizons de temps sur lesquels on se base pour prendre des décisions, parce que on peut tous quelque part avoir raison, même si on n'a pas les mêmes biais directionnels, parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes graphiques, et du coup que les scénarios sur les petits graphiques peuvent se faire, mais en fin de compte ensuite aussi aller dans l'autre sens et générer du coup l'obtention du TP pour le scénario plus long terme par exemple. Ça bataille beaucoup sur le point pivot clairement du DAX à l'heure actuelle. Voilà, du coup, Julien, dis-moi un peu ce que tu en penses, mais pour l'instant, ça hésite beaucoup sur l'euro-dollar, ça commence à consolider en fait. Le Yo qui me dit, je souhaite comprendre quelque chose sur les paires de monnaie, par exemple, quand on achète l'euro-dollar, on vend particulièrement, pardon, parallèlement le dollar. Alors plus simple que ça, hein, concrètement, ce qui se passe pour toi si tu quand tu es trader, par exemple, et tu es sur un broker comme Admiral, un broker CFD, tu vas spéculer à la hausse ou à la baisse. Donc tu t'attends à ce que, par exemple, si tu achètes l'euro-dollar, à ce que l'euro s'apprécie face au dollar. Si tu vends l'euro-dollar, ça va être l'inverse, bien sûr. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Après, le vrai mécanisme derrière, bah, c'est que quelque part, tu vas attendre une appréciation de l'euro. Donc ce qui veut dire qu'il te faudrait que le dollar, bien sûr, se désapprécie, c'est-à-dire qu'il perde vraiment de la valeur. Mais si tu veux, c'est vraiment immatériel tout ça, puisque ça se fait à travers la plateforme en un instant. Il n'y a pas le jeu comme si tu allais faire le change, hein, vraiment pour à posséder des euros, tandis que le dollar, lui, il s'apprécie ou se désapprécie pour pouvoir faire tes gains ou tes pertes, etc. Tu vois ce que je veux dire un peu? Pour Banqui nous est, lorsqu'on fait du swing trading, les frais de courtage sont-ils plus élevés? Eh bien, tu as les frais de swap si tu es par exemple sur le Forex ou sur les indices cash. Par contre, ici, je vais te montrer ici, si tu es sur les. Montrer tout. Si tu es ici sur ce genre de produit-là, tu sais, surligné en vert ici, tout ça va être des indices boursiers. Donc, tu as notamment le VIX, tu as aussi l'indice du dollar américain, etc. Mais majoritairement des indices boursiers où tu retrouves en fait du CFD basé sur futur. Donc, tu n'auras pas ce jeu de frais de swap qui va intervenir pour ces actifs-là. Et tu auras tout simplement une possibilité de faire ton swing trading de manière assez intéressante aussi, puisque tu n'auras pas de frais de swap à payer. Tu pourras tenir compte de, enfin, tu pourras
garder tes positions sans payer de frais de swap tous les soirs. Par contre, il faut tenir compte que c'est basé sur du futur. Donc, tu as ce principe de rollover et tu as ce principe d'expiration de contrat. Tu vois, par exemple, ici, expiration septembre 2022. Donc, après, il faut faire attention à ça aussi. Tu as d'autres actifs. Du coup, c'est par exemple ceci sur matière première. Tu as le crude oil, le coton, le copper, le cacao, pardon, l'arabica. Tu as plusieurs choses comme ça qui te permettent aussi de pouvoir faire du swing trading sans payer les frais de swap. Mais tu ne peux pas le faire sur tous les actifs. Enfin, dis-moi si c'est clair pour toi. J'ai une balance de bijoutier qui vaut 3 500 pour le swing trading, tu nous disais Antonio. Bah, t'es le bienvenu du coup hein, dans les séances swing trading à la fin du mois. Je sais pas si t'étais déjà avec nous lors des séances précédentes. Emmanuel qui nous dit d'abord, je comprends, une grande préparation psychologique s'impose surtout pour les novices. Je comprends mieux pourquoi tu fais les webinaires pour la rentrée. Merci encore. Parfait Emmanuel, merci pour ton retour, ça fait plaisir. Julien qui faisait super clair. Après, c'est vrai que souvent je suis perdu sur les différents horizons de temps car suivre une tendance en day, peut-être en contre-tendance avec le graphique horaire, du coup ça me perturbe. Oui, tout à fait, c'est clair. C'est pour ça que quand on me demande souvent quelle est la tendance sur tel actif, je précise quelle unité de temps est souhaitée pour connaître cette tendance. Parce que comme tu le dis, c'est très bien, tu peux avoir des tendances à l'opposé entre un graphique daily et donc graphique journalier et un graphique horaire. Donc après, c'est là où tu peux faire le jeu des concordances et retrouver les mêmes concordances, c'est-à-dire est-ce que ton trading ne se portera peut-être pas mieux si justement quand tu as une tendance haussière journalière, tu exploites sur ton H4, sur ton H1 peut-être une tendance haussière aussi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où tu peux mettre et commencer à augmenter en fait les probabilités de succès de ta stratégie, de ton système de trading. Bourbon qui nous est du coup, oui, très clair, merci, parfait Bourbon. 79 likes, il nous reste encore 12 minutes. On va avoir des publications qui vont commencer à arriver. N'hésitez pas à liker un maximum et partager pour que on puisse toujours faire ces séances ensemble, bien sûr, chaque matin. Séance du coup, swing trading fin du mois. Sinon, dès la rentrée, on redémarre sur un webinaire le mardi soir, un jour sur deux, un jour sur deux, une semaine sur deux, pardon. D'ailleurs, petite question ici, dites-moi. Si pour ces fameux webinaires, je vais vous faire un petit poll question ici. Hop. Pour les horaires des webinaires mardi soir, dites-moi si vous préférez 18h, 19h ou si vous préférez tout simplement 20h. 21h comme on le faisait à l'heure actuelle. On avait fait une fois 18h-19h et du coup ça avait plu aussi. Donc n'hésitez pas dans un petit pot de questions si vous voulez. L'idée c'est qu'il y ait un maximum bien sûr d'entre vous qui puissent être présents lors de ces fameux webinaires ouverts à tous. Ça rejette la burnout ici pour l'instant, ça a du mal à progresser. Pas grand chose hein, sur le CAC, ça range, je vais vous montrer ça. Ça range pas mal ici. Le FTSE qui est orienté à la hausse mais qui a du mal à rebondir. Le gold ici orienté en baisse. On en est tiens sur le gold. Le gold qui a cassé, qui a réintégré. Ouais, c'est piégeur en ce moment, attention. Attention, GBPUSD qui a breaké par l'eau, qui essaye de rebondir. Mais il va nous rester à peine 10 minutes, donc je vais pas exploiter de nouveaux scénarios ici, je pense.
Julien qui dit, du coup, c'est déjà ce que j'essaie de faire. Merci pour tes éclaircissements. Parfait. T'es sur la bonne voie, hein, Julien, du coup. Après, tout dépend, bien sûr, comment tu prends tes trades, tu places tes stops, etc. C'est plusieurs éléments qui te font vraiment les résultats que tu peux obtenir. Mickaël qui nous dit, en tout cas, merci pour ce que tu fais, ça nous aide beaucoup et bonnes vacances. Merci beaucoup, Mickaël. Avec grand plaisir. Merci pour ton message. Tu nous disais, je me sens accompagné, pas tout seul à trader. Ça fait vraiment plaisir. C'est le but, hein, bien sûr, de ces séances, hein, qu'on soit ensemble, bien sûr. Didier qui nous dit, bonnes vacances, Jérémy. Tu sais où j'habite, du coup. Si c'est à Rose, je suis à Chamonix ce week-end, ce sera pas trop loin. Ça marche, Didier. Ça marche. Alors, je t'avoue que je vais rester très peu de temps en Suisse et enchaîner très rapidement avec, avec l'Alsace, puisque ça fait un moment qu'on n'est pas remonté. Mais c'est noté, Didier. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Jérôme qui nous est allé, les pouces bleus. Merci beaucoup, Jérôme. Vraiment top 86, tu nous disais, Paul. Ouais, on n'est pas très loin. 14 likes encore. Didier qui nous dit bisous, filles. Merci chez toi aussi, hein, bien sûr. À la famille Antonio qui nous disait vente sur le DAX TP0. Limité, t'as vu, hein, pour l'instant, bien sûr, avec les 13 400, cette borne basse, et on veut revenir encore et encore sur le point pivot. Philippe qui nous dit merci, Jérémy, bonnes vacances. Merci à toi aussi, Philippe. Très bonnes vacances. Alors, on va avoir des petites publications ici qui commencent à arriver. On va actualiser tout ça. Alors, côté italien, déjà, on a eu les résultats. Côté français, c'est meilleur. On va voir côté allemand dans très peu de temps maintenant. Et ensuite, on fera un petit point marché ensemble. Marc, tu nous dis merci beaucoup, Jérémy, et bonnes vacances. Avec grand plaisir, Marc. Merci beaucoup pour ton message. Vente du USDJPY 133,50. Tu nous disais, Mohamed. Alors, je pourrais pas te confirmer, bien sûr, la vente ou quoi que ce soit. Tu parles des 133,50. Alors, on est déjà sur une résistance 133,25. 133,50, c'est un niveau intermédiaire encore pour aller sur les 75. Tu as une zone structure autour des 50. Ici, sommet creux. Donc, tu as une résistance, ensuite un support. Ça fera résistance dans un premier temps. Mais typiquement, pour moi, ça ne sera pas un niveau. Tu vois, ça sera pas le niveau le plus important, en fait. Niveau plus important, c'est celui sur lequel on est en fait, et des 133,25 sur lequel ça réagit déjà. On est peut-être d'ailleurs sur la formation, alors on a un double top ici, hein, on est peut-être sur la formation d'une bougie rejet encore pour tenter de repartir. On a aussi en même temps ici une épaule tête épaule inversée en fait, tac, avec ces deux derniers sommets en attente de break. Donc ça dépend toujours du filtre que vous rajoutez justement sur les graphiques supérieurs pour prendre votre décision si vous êtes plutôt à l'achat ou à la vente, et en attendre en fait plus d'arguments que ça, hein, bien sûr, pour prendre votre décision. Leonardo qui nous dit au revoir à tous, très bonne journée à toi Leonardo du coup. Je regarde le poll de questions. Alors 18h, 19h, 55%, 20, 21, 20h, pardon, 21h, 45%. Je pense que la semaine prochaine, je vous referai aussi un petit peu ce genre de poll de questions pour avoir vraiment un maximum de réponses. Parce que bah, l'idée, voilà, c'est que vous puissiez être tous, en tout cas tous ceux qui peuvent, un maximum être présents dans ces webinaires. Parce que je réponds aux questions, je lis les messages de tout le monde comme je le fais ici le matin. Et du coup, ça peut être pratique aussi si vous avez des questions en particulier par rapport à ce qui est présent et étudié dans le webinaire, ou même si c'est un peu en relation avec, ça passe. Du coup, ouais, ça travaille toujours autant le point pivot, pleine zone de range, attention sur le DAX à l'heure actuelle. Donc un exemple particulier ce matin avec de la contre-tendance. Après un scénario à zéro d'ailleurs, puisque j'avais shorté ici, j'avais sécurisé. Scénario de contre-tendance de l'autre côté. On vient de passer à 52% pour 20h-21h, donc c'est assez indécis. 25 votes. N'hésitez pas à voter au maximum, hein. C'est pour vous justement. Donc n'hésitez pas. Damien qui nous dit bonnes vacances, Jérémy. Bonne journée à tous avec un like. Merci beaucoup Damien. On est à 88 likes. Très bonne journée à toi aussi. Et bonnes vacances si tu peux en prendre au mois d'août. Laurent qui nous dit bonnes vacances. Oh, chanceux. Merci beaucoup Laurent.
Rudy qui nous dit bon repos Jérémy et encore merci pour ces séances riches en informations, formation, excellente journée à tous. Merci beaucoup Rudy pour ton message. Ça fait plaisir toi aussi hein, si tu peux prendre des vacances. Alors un petit peu de vacances mais je travaillerai quand même sur des projets pour les LTR aussi donc la rentrée qui est importante, on va pas laisser passer ça. Mais oui, il y aura quelques jours de break, ça fera quand même du bien, c'est sûr. Jérôme qui nous disait un DAX bien mou ce matin. Ouais. Ah, le mois d'août, c'est toujours un mois un peu plus particulier. Antonio qui nous disait avec ceci, Jérémy, j'en profite pour te souhaiter ouais, de très bonnes vacances. Merci beaucoup, ça fait plaisir, Antonio. J'allais dire pour toi aussi, mais d'après ce que tu nous avais dit, c'est très souvent le cas. Hein. Du coup, vu que t'as, je crois que tu nous avais dit que tu es du côté du Portugal au bord de la mer, donc c'est quasi les vacances tous les jours. Damien qui nous disait, moi au mois d'août je backtest LOL. Parfait Damien, parfait. Je vais faire ce genre de choses aussi finaliser parce que on est sur des backtests de milliers, de milliers, de milliers de trades pour la rentrée justement. Donc ça nécessite vraiment d'étudier tout ça en profondeur pour vraiment partir comme il faut dès la rentrée. Nassouf qui nous disait merci et bonne journée tout le monde. À très très bonne journée à toi aussi Nassouf. Merci d'avoir été avec nous. On va faire un petit récap de marché, on ira voir les publications. Juste après le DAX en graphiquaire, qu'est-ce que ça donne du coup pour l'instant? Eh bien, il est toujours dans la réintégration de sa zone de range et dans son trading de range établi entre les 430 et les 400. Donc une zone de 30 points dans laquelle ça oscille et ça évolue, ça hésite, je devrais dire beaucoup, soit pour un breakout baissier, soit pour un breakout haussier et alors la réintégration du range précédent. Donc voilà par rapport à ça sur le DAX. Du côté du CAC, c'est le trading de range qui continue de toute manière. On va le voir ici avec donc cette borne haute établie sur les 6425, borne basse autour des 6385, trading de range, donc pas grand chose à en tirer pour l'instant puisque on ne sort pas ni de la borne haute ni de la borne basse. Donc si vous faites du trading range, là ça peut être intéressant, rejet borne haute, rejet borne basse, si c'est votre méthode aussi. En tout cas, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve sur le FTSE 600, borne haute avec la résistance RN, notamment résistance des 7430 et borne basse aux abords la zone support S1 et des 362 avec déjà les 360. Du côté des marchés américains, on est limité par le point pivot et notamment les 4100, orienté sur un trading sur une zone basse, en fait deux zones de range établies également ici, je vous le rappelle, entre les 4000, 4000, 4080, 82 et les 4135 par le haut. Du côté du Nasdaq, pareil, on est dans un range plus large, on rejette également le point pivot, test du creux précédent possible, mais je vous rappelle que le range est établi entre à peu près la zone des 12825 et des 13050. Et du côté du dos, c'est un petit peu différent, on est en train de marquer le rejet côté extérieur justement de la zone précédente de range ici. Alors celle encore d'avant, la précédente c'était celle-ci, mais on marque un rejet sans aller chercher le point pivot, on marque un rejet en fait des 32 500 pour l'instant souhaité, attention au test du creux précédent, sinon réaction et réintégration. Du côté donc du gold, graphique horaire, on va voir qu'on est entre deux zones, hein, on est dans une petite zone de range M15 et en tentative de réintégration de la grande zone, mais maintenue pour l'instant par les 1765. Du côté du pétrole, c'est le trading range avec prix médian qui marque le rejet pour rechercher le test de borne basse. Et du côté de l'euro dollar, sans grande surprise, encore du trading de range limité avec la zone médiane et le prix bas de la zone. On ne va vraiment nulle part vraiment pour le moment. Il y a le GBPUSD qui tente sa sortie de zone de range avec le test du point pivot pour l'instant. Prochain niveau, les 1,2212. Sinon, réintégration et maintien du trading de range. Attention. Du côté crypto, on range également puisqu'on est entre deux zones. Mais vous voyez, là, on a l'ADN d'un trading de range, c'est-à-dire des tests multiples en bas, des tests multiples en haut, du trading de range également. Donc, c'est vraiment sur beaucoup d'actifs, ça se retrouve ici clairement, ce fameux trading de range. Voilà pour le petit point récap, on va juste regarder rapidement et actualiser ensemble le calendrier. Je vais encore attendre une minute puisqu'il sera 10h et je reviens sur le chat ici. Ah non Antonio, tu me disais que tu étais au Luxembourg, je voyage beaucoup. Ah ça marche pas de soucis, excuse-moi je m'étais trompé du coup. Antonio qui dit du coup je l'ai manqué, c'est possible d'avoir l'accès au LTR jusqu'à la fin août, tu nous disais Antoine. Compliqué, c'était jusqu'au 31 août, on a laissé même une journée de plus pour les dernières personnes qui sont arrivées. Envoie-nous un mail, on verra, mais bah voilà, normalement c'est pas juste aussi pour les autres si on donne et qu'on dépasse les délais à chaque fois. Damien qui nous disait moi je dis tous les jours les webinaires de 8h à 17h, pas de vacances. Excellent Damien, mais écoute, faudra que je négocie avec Admirals pour étendre ces séances, mais c'est toujours un plaisir de passer en tout cas c'est live chaque matin avec vous. Et merci pour ce message, j'adore. Dom Dom qui nous dit bon week-end Jérémy, profite bien de la famille. Merci beaucoup Dom Dom, ça fait plaisir.
très très bon week-end à toi aussi. On se retrouve de toute façon le lundi, hein. Lundi, mardi, mercredi encore pour 3 lives avant un break un petit peu plus long pour ma part. Charlie qui nous dit bonnes vacances, Jérémy, merci beaucoup Charlie, à toi aussi. Jérôme qui nous dit bonne journée à tous et bonnes vacances à toi Jérémy, à bientôt. Merci beaucoup Jérôme, très très bonne journée à tout le monde du coup. 94 likes, on n'est pas loin avec 6 likes de faire le TP1, on va juste actualiser ensemble le calendrier économique, voir les dernières publications, notamment côté allemand. Ici voilà côté allemand, donc c'est plutôt positif. Alors, on a côté italien relativement neutre, c'est vente au détail, et on va avoir ici la version européenne de l'indice PMI manufacturier mais du secteur des services justement, et l'indice composite du coup qui est plutôt positif aussi. Bon, les réactions à l'heure actuelle, hein, sur les marchés, il n'y a pas grand chose, hein. Vous voyez toujours un DAX ici qui se maintient légèrement par rapport au 13 400, mais qui a du mal à progresser, et du coup un marché qui ne va nulle part ce matin, des marchés qui ne vont nulle part puisqu'il y a pas mal d'autres marchés qui sont aussi en période de consolidation et du coup qui sont en attente, surtout en attente. Donc ça risque de se débloquer peut-être courant du coup de la fin de matinée ou courant de cet après-midi. En tout cas, soyez vigilants, attention aux publications attendues sur le calendrier économique. Bien sûr, suivez votre plan de trading, hein, c'est ce qui vous permet de passer à travers tout ça. Et n'oubliez pas, on est au mois d'août, trading un peu plus particulier, faites attention à cela également. Bourbon qui nous dit bonne journée à tout le monde, merci à toi aussi Bourbon, et je vous souhaite à tous donc une excellente journée, un très bon trading, et je vous retrouve dès lundi matin, du coup 2 jours de break, hein, donc demain et après-demain il n'y aura pas de live matinal Admirals, mais on se retrouve dès lundi pour le mardi, pour le mercredi également, avoir un break un petit peu plus long terme. Donc je vous dis directement à la semaine prochaine, très bonne fin de semaine à tout le monde aussi, excellent week-end et à lundi prochain.